Ce putain de nid.
Un autre nid. Allez, au feu. Yeah.
Besoin de ferraille. Un bidon d'essence. C'est bon. Bon, par où ?
Tracker, je l'ai repéré. Il avait l'air d'attendre quelqu'un. Dick, le laisse pas. Je le veux vivre. Hein? Merde, Tracker, vivant? D'autres trucs. Je veux qu'il tu vas comme ça, hein? Quand tout court en train, salopard. Ok, très bien. Je laisse pas le choix. Ouais, chopez-le. Oh, ralenti, je veux juste causer. Ah ouais? C'est pour ça que te tire pas. Arrête de causer. Ah, tu crois quoi, bordel? Si je voulais te buter, tu serais déjà mort. Non, va chier. Je sais ce que t'as fait à Léon et Alvarez. Je suis blessé. Ça y est. Eh ben, tu t'es parti comme ça. T'as un rempart. Non, lâche-moi la grappe, Sunshot. Bonjour. Comment ça va, mon gars? Tu vois, je t'avais dit que je te buterais pas. Dick, non. J'ai rien fait de mal. Ah ouais? C'est pas ce que dit Tucker. Quand Léon et Alvarez se sont barrés avec la pharmacie du camp, ils ont oublié de te mettre dans le coup, c'est ça? Non, Dick, non. Non, non, dis-moi ce qui t'est passé par la tête. Aide-moi à piger le truc. Toi, t'as pris les restes dès que la vieille a eu le dos tourné. Dick, j'ai rien sur moi, ok? Tu peux vérifier. Je crois pas, non. C'est pas mon boulot. Je laisse ça à Alkaï. Dick, je le tiens. Dick, me laisse tes coordonnées et dis à Alkaï d'envoyer des hommes. Qu'est-ce que t'avais fait à Léon? Il est vivant. Putain, est-ce qu'il avait les bidocs? Oui, il est en vie, oui. Je veux qu'il le reste. Vous voulez ensemble tous les deux, on était pas... Il aurait bien manié son cul, terminé. Ok. Pitié. Hé, Bosman, tu m'assois? Me laisse pas là. Allez, s'il te plaît, détache-moi. Tu sais où je pourrais trouver une... Bordel, ça jeune. Fais pas le con. C'est pour la gamine que j'ai amenée. J'essaie de lui remonter le moral. Elle a dit qu'elle en avait une avant. J'en ai aucune idée. Peut-être à la boutique du cratère Belknap. Sinon, essaie Marion Fox. Ouais, ok, merci.
Putain!
sniper sur la route, bordel de merde! Ça devrait le faire. Un pain qui traverse. Mon pote, à une époque, ça aurait été une mauvaise idée, mais en fait, ça l'est toujours. Il est réglo. Ouvrez-lui. Hé, la terre marche ? Retour. Bosser. Maintenant. Au boulot. Lisa, j'ai... Va-t'en. J'ai un truc pour toi. Oh, c'est beau. Tu m'emmènes avec toi. Tu peux me ramener à Marion Fox. Je peux pas, désolé, c'est trop dangereux. Je dois aller me coucher. Ils nous font lever tôt pour travailler. J'étais en classe quand c'est arrivé. J'enseignais l'anglais dans un établissement de chez le Mut. Il y a des mères au foyer, il y a des lycéens en échec scolaire. Bref. Commençons. Quoi ? Ça va bien ? Quoi ? Ouais. Salut, t'as besoin de quoi ? Je regarde juste. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. À la prochaine. Alors, ça va ? On enchaîne les primes ? Comment tu vas ? Ouais. À plus. Ouais. Je vais t'ouvrir.
Dick, tu me reçois ? Elle a donné son caillou à la gosse. Ouais, elle était aux anges. Ça a un peu égayé sa journée. Son année, même. Ça m'étonne pas. Terminé. Saint John, passe à Peaceful Lake quand t'auras l'occasion. Ça marche, Copeland. Terminé. Tu répondais pas à la radio. Ouais. Je suis pas acheté. Oh là, doucement. Je vais bien. Je voulais m'éclaircir les idées, tu vois. T'as de la fièvre. Putain, paye ta migraine. T'as de la fièvre. Non, je suis fatigué. Ok, tu restes ici, tranquille. Moi, je vais réfléchir. Hey, j'ai pas besoin d'une nounou, putain, je vais bien. Réfléchis. Viens par ici, je vais te montrer ce que tu cherches. Ouais, trouvé. Oh. Allez, concentre-toi un T'inquiète, peu. T'inquiète, je suis concentré. Ok. Alors, celle-ci s'appelle Lavandula angustifolia. Lavande quoi ? Ouais, mais vu que j'ai pas fini de rembourser mon prêt étudiant, personnellement, je préfère le latin, vois-tu ? Au moins, t'en as pour ton argent, fais-toi plaisir. Ok, allez, donne-moi tes mains. Voilà, tu en poses une autour de la fleur. D'accord. Ensuite, tu places l'autre le long de la tige. Ok. Voilà, comme ça. Ensuite, faut tirer tout doucement. Ça va, j'ai déjà arraché du chien-dent. Eh ben, c'est pas du chien-dent. Tu dois faire preuve de délicatesse. Mais appliquer une pression. Oui, mais sans forcer. T'es prêt ? Go. Et voilà le travail. Nickel. Ouais. Dis donc, elles sont pas vraiment la rose. Ok, garde celle-là. Moi, je vais aller en cueillir d'autres. Et donc, quoi la lavande ? Les gens du labo sont dans tous leurs états. Ils pensent avoir trouvé une sous-espèce de monoterpénoïde mutant qui produisent un linalol modifié pouvant... Ah ouais, ah, c'est... Merci, Einstein. Merci, vraiment. Désolée. Elle contient une molécule qu'on peut utiliser pour synthétiser un médicament pour les grands brûlés. Là d'où je viens, la seule herbe qui sert à soigner, on la fume. Tu sais, Boozer connaît un type qui a une ferme à genre 5 km d'ici. Oh, mais c'est super. Boozer va finir en prison et il te fera tomber avec lui. Et sinon, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Des armes chimiques, des armes de destruction massive ? Non. Enfin, pas moi en tout cas. Ah ouais ? C'est dans mon contrat. Mes recherches peuvent en aucun cas être utilisées à des fins militaires. Regarde-moi ça! Attends, arrête! Allez, l'eau doit être trop bonne! Non, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, ça, tu peux continuer. Allez, qu'est-ce qu'il y a? C'est une longue histoire. Bon, ça fait rien. On peut marcher aussi. J'aime bien marcher. Et
si tu m'en disais un peu plus sur tes plantes. Sérieux? Ok. Eh bien, on dit que ce genre-là est non endémique. Tu le fais exprès, hein? Ça veut dire qu'elle n'est pas native de la région. Tu peux remercier Ogden. Qui ça? Eh hey, merde, j'ai posé une question. Peter Skeen Ogden, le premier explorateur à avoir traversé cette partie de l'Oregon. Lui et d'autres explorateurs ont apporté toutes leurs plantes médicinales avec eux. Certaines se sont propagées dans la région. La plupart poussent sur les rives des petits lacs et des étangs. Le premier explorateur blanc. Waouh! Tu te mets au politiquement correct? Faut pas croire les clichés sur les bikers. En vrai, on est très très fréquentables. J'en doute pas. On a deux frères de couleur au MC. L'un d'eux est membre à part entière. Je crois pas avoir vu une seule personne de couleur depuis que... je suis arrivée dans ce petit coin de paradis. Ouais, il se trouve que Jack a fait venir des gars de Sacramento exprès pour faire chier des rivaux skinhead. Non, tu me fais marcher. Ouais, je rigole. Alors, Jersey Jim est un vieux pote, c'est moi qui l'ai fait entrer au MC. On a servi dans la même unité. Faudrait que tu passes au club 1 de C4, je te ferai visiter. Tu le trouveras sympa, il est super marrant et il fait une margarita du tonnerre. Je commence tôt lundi au labo, donc... On sera dans ton lit pour 22 heures, c'est promis. Une proposition pareille, ça se refuse pas. Allez, à toi, essaie d'en cueillir une. De la lavande. Tu veux que je cueille de la lavande? Oui, et je veux 3 pieds de lavande. Et pas écrasés. Oh, je vais les écraser. Oh, allez. En voilà un. Bien joué. Celui-là? Ouais, continue. Le dernier. Super, amène-les-moi. Oh! C'est pour toi. Waouh, on dirait que la galanterie n'a pas disparu à Ferwen. Ah. Mais si c'est le cas, je plaide non coupable. Hey, oh, pauvre chérie. Hé, hey, c'est celle qu'on va fumer tout à l'heure? Non, mais c'est celle qu'on va boire. Je sais faire une tisane du tonnerre avec ça. Sans déconner. Hé, hey, ok, si tu viens chez moi, je t'en ferai une, du moment que tu me déposes à la maison. Ok, super. Je vais te convertir, tu vas voir. Fais-moi penser à m'arrêter pour acheter de la bière en chemin. Désolé, je suis un peu dans les vapes. Tu m'as parlé.
C'est un truc que Sarah m'a appris un été avant. Enfin, bref, y a une plante qui pousse dans le coin, la lavande. Elle pousse à l'ombre le long des rivières et sur les rives des lacs. Je vais essayer d'en trouver. Putain, vu l'état de mon bras, je suis prêt à tout, frangin. Mais garde ta lavande, je veux de quoi fumer. Cause toujours. Je veux trouver des plantes et en faire un beau pour les brûler. Comme ça, t'arrêteras de te plaindre. Ouais, ok. Désolé, frangin, c'est juste que... je deviens dingue à force d'être enfermé ici. T'inquiète, Bousman. On partira vers le nord, c'est promis. Dans pas longtemps, tu m'entends? Ouais, terminé. Come on.